Et cette action-là consiste à fédérer un maximum de députés autour de moi grâce à un discours cohérent, grâce à un discours qui convainc et grâce à, aux relations personnelles aussi que je peux avoir avec les députés. Prenez l'exemple, au mois d'août, par exemple, j'ai demandé à une grande partie des députés de mon groupe de co-signer, je leur ai proposé de co-signer un article 40, c'est-à-dire un signalement de Rima Hassan au procureur de la République suite à sa venue à la manifestation qui faisait l'apologie de Hamas en Jordanie. Et j'ai écrit également à la présidente du Parlement européen pour demander que des sanctions soient prises et la levée de l'immunité parlementaire. On était en plein mois d'août, on était en pleine vacances et j'ai réussi à obtenir 53 co-signataires à ces courriers. Si on enlève les 18 députés, les 18 ministres, et si on prend 97 députés, vous enlevez 18 ministres. Donc on est largement plus aux trois quarts du groupe qui a signé mon groupe. Voilà, ça veut